point de regresser là au moins. Et on triche pas, hein. Ah, ça va, et tu trembles là, pépère. Oui, t'avances après un refus de choc, tu peux occuper la case. Oui, mais même de deux fois deux pieds différents. Tu peux avancer comme après un combat, donc c'est une seule ou une pile. Mais c'est pas les deux. Pour le film. C'est mal parti. Castéjou, on n'est pas tombé là. Pas encore. Pas encore, on y est. T'as pas perdu mes pions, hein? Carte géante, hein? Ouais, c'est vachement bien. C'est ça qu'il faut faire, carton. Les canons en carton. Hein, ça coûte cher aussi, hein? C'est on voit clair, là. Arrêtez de filmer parce que je commence par le bas du classement. Charles Fantini, c'est 35e. C'est le
qui m'a tué. Le meilleur jeune va être attribué. Il cherche la place. Il n'y a pas de meilleur. Tu la connais. C'est bien. 25e. T'as eu quoi, Sylvain? Ça. C'est quoi, Féva? Ah ouais. Donc c'est le prix qui traditionnellement récompense le meilleur argent dans la compétition, c'est celui qui n'a jamais vu. Ça, quand on met un débit. Ouais. Ah, tu veux faire les cons, je pense. Vous voulez dire quelque chose? On prend un peu de cours. Ah là là. Oui, les gens. Donc maintenant, je vais appeler les deux plus gros sous le pouvoir. C'est pas les mieux classés. Quoi. Laurent Stanner est quand même 6e au classement général. Je vais en profiter d'ailleurs lors du premier trophée à Banque sur Marango. Le troisième, c'est Thierry Solpoli. Le second, à l'épilogramme, c'est Philippe Berthet. Premier au classement général, alors ça s'est joué à très peu, ils sont deux ex aequo parce que Denis Sauvage